En manchette aujourd'hui, une belle fin de semaine en perspective. Profitez-en! Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 26 juillet. Avant de vous faire un petit tour d'horizon des activités à faire en fin de semaine, on fait un petit retour en arrière. On revient sur le spectacle présenté au Cénacle à la Chapelle des Culbert à Berthierville. Le spectacle s'est déroulé hier, donc jeudi, et qui mettait en vedette l'artiste Sylvie Saint-Pierre. Il a bien sûr été question de country, de musique country. L'artiste a été très généreuse pour les gens présents, offrant près de 2 heures de spectacle. Bref, tout le monde était fort heureux de cette belle prestation. On écoute un extrait de ce spectacle gratuit présenté à la Chapelle des Culbert au Cénacle. Et on rappelle que chaque jeudi, il y a un spectacle gratuit pour les gens qui désirent entendre de la belle musique. On écoute l'extrait. On va commencer ça tranquillement. Ma vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Et jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Yeah! Vous êtes trop bon! Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Et voilà, c'était Willy Lamotte. Merci, merci. On the road again. I just can't wait to on the road again. The life I love to make music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I'll never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsy, we go down the highway. With a best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way. On the road again. I just can't wait to on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. Ce soir, il y aura un autre spectacle à la Chapelle des Culbert au Cénacle. Donc, c'est Yves Gagnon qui, à compter de 19h, sera présent. Yves Gagnon, c'est ce jardinier, enseignant, conférencier de Saint-Didas, qui est aussi guitariste, chanteur à 16h, et un excellent raconteur. Donc, Yves Gagnon,
présentera son spectacle à compter de 19h. Une fois de plus, c'est gratuit. Donc, un vendredi en spectacle à la Chapelle des Culbert. Le Festival de la Naudière, on poursuit dans la musique, en est à son avant-dernière fin de semaine. On écoute le directeur artistique du festival, Renaud Loranger, nous parler de cet avant-dernière, de cet avant-dernier, pardon, week-end. On l'écoute. Bonjour Renaud. Bonjour Madame. On est rendu presque à la fin du festival. Avant-dernière fin de semaine. Et là maintenant, c'est le retour, on pourrait dire, de l'OM et des grands ballets canadiens. Exactement. Parce que c'est quelque chose encore qui est comme une tradition. Oui. Ils ont commencé un petit peu graduellement. Le calendrier aussi est un peu, comment dire, tu sais, ça se vérifie d'année en année. L'OSM est avec nous un peu plus tôt en général. Et plus le festival avance, plus on s'approche du retour de Yannick et de l'Orchestre métropolitain. C'est encore ça cette année. Donc Yannick va être avec nous pour un concert le dimanche 28 juillet avec Marc-André Hamelin, qu'on connaît très bien. Marc-André, grandiose pianiste québécois qui est un grand ami du festival, fidèle parmi les fidèles, qui va nous jouer non pas un, mais deux concertos de Liszt dans le même après-midi, devrais-je dire. C'est très difficile. Oui. Un seul, on va être durant les Olympiques, ça va être quelque chose. C'est ça, exactement. La comparaison avec les Olympiques est très bien trouvée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les grands ballets, tu disais, ben, vendredi le 26 juillet, les grands ballets, c'est ça. C'est devenu un peu, en fait, un arrêt obligé pour eux pendant l'été. Ils viennent nous voir à Joliette, cette fois-ci, avec une chorégraphie sur la 5e symphonie de Beethoven. Oui. Donc, est-ce qu'on le chante? Non, mais parce que des fois, je dis, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît les quatre premières mesures. Donc, ça, c'est très beau. Ils l'ont présenté cette année. Ça a été présenté à Montréal, c'est ça. Ils viennent le faire ici. Et on a aussi vraiment de la très, très grande visite à Sophie Vonnotter, donc la médecine de l'année suédoise, qui est à l'amphithéâtre le 27 juillet, avec un groupe de musiciens à elle, suédois, qui nous font, en fait, là, ça sort un peu du cadre de la musique classique, qui nous font un programme de chansons françaises. Donc, un après-midi de chansons françaises avec Barbara, Charles Trenet, Michel Legrand, Léo Ferré, Boustaki, etc., etc., etc. Mais Anne-Sophie, qui est une des plus grandes artistes de la planète, qui est une grande chanteuse d'opéra, mais qui est tout à fait chez elle dans ce... C'est elle qui a choisi les pièces ou c'est un... Je sais que tu participes beaucoup à l'élaboration du programme. On l'a fait quand même ensemble. Mais c'est-à-dire que c'est un projet. Elle a enregistré ces chansons-là il y a quelques années. OK. Donc, après, je lui laisse évidemment, si tu veux, la sélection exacte de quelle chanson. Mais en fait, c'est des gens, si tu veux, on se comprend tellement bien que, dans son cas, elle, en tout cas, on n'a pas besoin de discuter beaucoup. Okay. Je veux dire, on regarde les choses comme ça, puis tout de suite, on se dit, parfait, on a exactement ce dont on a besoin, puis ce qui va résonner aussi avec le public. Mais ça, c'est vraiment très important. Tu sais, j'hésite, quand les gens me disent souvent, mais certainement, vous avez un concert ou deux qui vous est plus cher, tout ça, puis j'essaie de ne pas trop m'exprimer là-dessus, parce que ça fait un peu... T'sais, c'est pas très gentil. Après ça, les autres se disent « Ah bon, ben c'est ça. » Oui, mais je comprends. Mais Anne-Sophie, je n'hésiterais pas à dire « Ça, c'est très spécial. » C'est un genre de concert qu'elle a présenté beaucoup en Europe? Oui, tout c'est à fait. C'est ça, oui. Puis il y a même une histoire un peu plus longue au sujet de ça, si tu veux. C'est-à-dire qu'on devait le faire en 2020. C'était programmé à l'été 2020, évidemment, ça ne s'est pas fait. Ouais. Puis j'ai réessayé, en fait, année après année, on se reparlait, puis je l'ai réinvité, puis ça ne marchait pas. Puis je me disais, bon, ben peut-être que c'est trop tard, puis ça ne se fera pas, peut-être que... Parce qu'elle est plutôt, on va dire, à la fin de sa carrière. Puis en fait, là, c'est elle qui est venue vers nous cette année. Ah, qui a dit, qu'est-ce que tu penses de le faire peut-être maintenant? Ah! Ben je dis oui. Allons-y. Maintenant, pareil, allons-y. Maintenant ou jamais, il faut le faire. Puis vraiment, j'invite les gens là, à venir en profiter, parce que c'est quelque chose de très spécial. Tu parles de 27 juillet. Tu me parles de fin de carrière, mais c'est pas fin de sa voix, c'est pas les fins. Ah non. Dans le sens, c'est qu'elle a ralenti, bien sûr, oui, elle a décidé de ralentir. Exactement, je trouve ça complètement remarquable qu'elle ait souhaité venir à Montréal, à Joliette, cet été. Puis évidemment, j'ai sauté là-dessus parce que je me suis dit, je peux pas lui dire, ah ben on pourrait peut-être le faire une autre fois. Je me suis dit, il faut vraiment faire ça. Faut vraiment faire ça. Puis
clairement, ça l'intéresse, la région l'intéresse, encore une fois, elle va être au crapaud aussi. Pour c'est particulier, là. Puis, ce qui est amusant, c'est qu'elle va loger à la fois à Montréal et à Joliette, donc ça lui permet d'être un peu à Montréal, de voir la ville, puis d'être aussi vraiment à Joliette, puis de voir la ville ici aussi. Ça, c'est jamais arrivé, en fait. En général, les artistes se posent, oui, puis ils ne bougent plus après. Okay. Elle sépare la semaine en deux, puis elle va avoir les deux. On va avoir autant la grande ville que la région. Sans être indiscret, dans ce temps-là, tu les sois au Château Joliette, ou tu leur trouves des chalets souvent, pour des demandes spéciales de faire de pêche? Très souvent, ils sont au château, en effet, parce que c'est un peu l'endroit... Tu sais, c'est à deux pas d'où on est ici, c'est à deux pas de notre bureau. C'est pratique ici, s'il peut y avoir des répétitions, etc., etc. Donc, très souvent, on est au château. Puis à Montréal, après, on a des hôtels avec qui on peut l'avoir régulièrement. Ouais. Est-ce que tu as des artistes qui te demandent des demandes spéciales, justement, qui veulent en profiter pour aller à la pêche? Oui. Tu refais des randonnées? Pas vraiment, mais je te dirais que dans certains cas, c'est moi qui essaye, ou c'est nous qui essayons, des fois, de les convaincre de venir en leur disant « Ah oui, mais vous savez, vous pourriez aussi profiter de la nature, puis des beaux lacs de la région, etc., etc. » Mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais rendu... Jusque-là, mais je c'est toujours, c'est jamais loin dans mes réflexions. Ouais. Donc, ça va être l'avant-dernière fin de semaine. Encore là, réservez vos billets d'avance. On dit tout le temps que c'est très abordable. Oui. Mais c'est vrai, exactement, c'est ça. Tous les détails sont sur le site web, encore une fois, lanaudière.org, lanaudière.org. Puis, mon Dieu, pour les gens de la région ici, dans Lanaudière, profitez-en. Ça vaut la peine, ça coûte pas trop cher. À mon avis, vous ne pouvez qu'être conquis, évidemment. Moi, tu parles en connaissance de cause, ou c'est ça? Non, mais absolument. Je me dis, pour les gens qui sont ici, là, les gens qui nous écoutent, les gens qui sont pas trop loin de Joliette, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Je te remercie. Moi aussi. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600$ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000$ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires. En ce 26 juillet, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autré, souhaite bonne fête à Denise Beaulieu. Et les filles d'Isabelle souhaitent un heureux anniversaire à Jacqueline Leclerc. 27 juillet, dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête. Pardon, samedi 27 juillet, la FADOC souhaite bonne fête à José Laforêt et André Bellemare. Et il n'y a pas d'anniversaire pour le 28 dans notre grand livre des anniversaires. Mais si, c'est votre anniversaire en ce vendredi, samedi ou bien dimanche, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On a parlé d'activités dans la région, donc il y a évidemment ce qui se passe ce soir à la chapelle des Cudbert à Berthierville. Aussi, samedi le 27 juillet à 19h cette fois, vous êtes invité au lancement du livre dans le berceau de Lanaudière
l'église de la Visitation de l'île du Pas se raconte. C'est donc à 19h samedi le 27 à l'église de l'île du Pas. L'invité, il y aura des invités sur place, Claude Sauvageau, le prêtre, bien sûr, mais surtout l'auteur de ce livre sera bien sûr sur place, ainsi que Sabrina Lindsay, mezzo-soprano. Donc, il y aura de la musique dans cette belle église de l'île du Pas. Les profits de la vente du livre seront remis à la paroisse de l'île du Pas. Également, à la Noiret cette fois, le 28 juillet à 13h30, donc en après-midi, les promenades du dimanche vous invitent à un spectacle. On aura sur scène ABBA avec des Gold Hits, donc les grandes chansons du groupe ABBA. Et en première partie, ce sera Jones, donc un spectacle durant toute l'après-midi aux promenades du dimanche, c'était la Noiret. On parle maintenant autre chose à faire ce week-end, peut-être, ou au courant de l'été, une visite au musée Gilles Villeneuve à Berthierville. On rappelle que ce musée est ouvert toute la saison et même à l'année. Et ce musée accueille des visiteurs de partout dans le monde. L'an dernier, des gens de 43 pays différents et des 5 continents ont fait halte au musée consacré aux champions de course automobile. CTRB a envoyé ses stagiaires, 2 étudiants, visiter le musée. Ils reviennent avec un petit vidéo qui nous raconte ce qu'est le musée. Et vous allez voir, évidemment, puisque également je m'occupe du musée Gilles Villeneuve, ils m'ont demandé de parler du musée. Là, c'est inclus dans la petite entrevue qu'ils vont vous présenter. Donc, nos stagiaires, on les regarde, on écoute. Aujourd'hui, je suis au musée Gilles Villeneuve, un musée qui existe depuis plus de 35 ans et qui accueille des visiteurs de plus de 40 pays. Le musée Gilles Villeneuve a vu le jour en 1988 à Berthierville, quelques années après le décès de Gilles Villeneuve, on le rappelle, survenu le 8 mai 82 sur le circuit de Zolder en Belgique lors des qualifications. Depuis ce moment, depuis 88, des visiteurs des 5 continents s'arrêtent à Berthierville année après année. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est souvent ces gens-là nous disent qu'ils ont fait le voyage au Canada avec pour but premier un arrêt à Berthierville au musée Gilles Villeneuve. Donc la renommée de Gilles Villeneuve, sa renommée internationale, est toujours aussi forte malgré les années qui passent. Toute l'équipe du musée Gilles Villeneuve est fière d'accueillir ses visiteurs à Berthierville et évidemment partager avec eux la passion, cette passion-là qui animait le Berthelais le plus connu dans l'histoire. Donc, le musée Gilles Villeneuve est ouvert tous les jours cet été. On vous attend, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, ça nous fera plaisir de parler avec vous de Gilles Villeneuve.
centre Daisy de Saint-Gabriel-de-Brandon le 12 juillet à 88 ans. Est décédée Mme Pierrette Branconnier, épouse de feu Florian Latour, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, pardon, Sylvie Latour, Claude Bernier, Yvan Latour, Marc Latour, Patrick Latour, Annie Latour, Daniel Beaulieu, ses petits-enfants, Sébastien Massé, fils de Sylvie, Jessica Stewart, fils de Marc Gabriel et Camille Nadeau, fille d'Annie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 juillet dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 14h30 en la chapelle du complexe. Madame Branconnier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 20 juillet à 93 ans et 5 mois, est décédée Madame Solange Lefebvre, épouse de feu Jean-Fernand Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude Bergeron, Carole Fortin, Linda Bergeron, Michel Morin, ses petits-enfants, Olivier Morin, Caroline, Frédéric Morin, ses arrière-petits-enfants, Lydia, Alexis, Arnaud, un grand ami de la famille, Aaron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 28 juillet dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville, suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 heures. Madame Lefebvre sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le samedi 3 août à 10 heures. À Saint-Jean-de-Mata, le 16 juillet, à 87 ans, est décédé M. Jean-Guy Loyer, époux de Ghislaine Aymon, demeurant Saint-Cuthbert, natif de Sainte-Béatrix. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Ginette Loyer, feu Sylvain Lambert, Benoît Loyer, José Lamontagne, Richard Loyer, José Beauparlant, ses petits-enfants, Jesse, Mathieu, Amélie, Valérie, Ariane, Benjamin et Karina. Ses arrière-petits-enfants, Cathy, Zia, Thomas, Laïa, Morgan, Alice, Léa Rose, Jasmine, Charlie et Rosemary. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Fabiola Delorme, feu Charles-Édouard Loyer, Huguette Guimont, feu Roger Loyer, Denis Fortier, feu Bérangère Aymon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 1er août de 19 à 21 heures et vendredi 2 août dès 10 heures. Au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30. Au centre hospitalier de La Nausière, le 16 juillet à 66 ans, après un dur combat et avec une grande tristesse, nous vous annonçons le décès de Mme Sylvie Étier, conjointe de M. Georges Bonnet, demeurant à La Noraie. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses filles, Julie Beauparlant, Christian Rinfray, Isabelle Beauparlant, Philippe Adam, sa belle-fille Marie-Josée Bonnet, Maxime Aubin, son beau-fils Mathieu Bonnet, Ariane Leduc, ses petits-enfants Tristan et Elisabeth, ses beaux-petits-enfants Lydia, Chloé, William et Noémie, son frère François Étier, Diane Frenette, la famille Beauparlant et la famille Lajoie, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 3 août, 10 heures, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13 heures. Madame Sylvie Étier sera inhumée au cimetière de La Noraie le même jour. À l'hôpital de La Nausière, le 14 juillet à 69 ans, est décédé M. Yvon Duval, époux de France Brazeau, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie Duval, Jean-Michel Proux, ses petits-enfants, Émeric Duval et Megan Duval, sa belle-mère, Mme Pauline Barrette, feu Maurice Brazeau, ses beaux-frères, Michel Brazeau, Francine Lavallée, Gaétan Brazeau, d'Arquise Vincent, Marcel Beaudoin, feu Jocelyne Brazeau, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 3 août, dès 13 heures. Au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au même lieu, le même jour, à 16 heures. Ça se déroulera en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Duval seront par la suite déposées au Columbarium à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue dans votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un temps ensoleillé
avec une température de 28 et un temps ressenti de 31. Vendredi soir, ce sera dégagé, une température de 23, un temps ressenti de 26. Vendredi nuit, ce sera un temps dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 13. Samedi matin, ce sera une température de 16, un temps ressenti de 16, et ce sera ensoleillé. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec une température de 28, un temps ressenti de 34. Samedi soir, ce sera dégagé, une température de 24, un temps ressenti de 30. Samedi nuit, ce sera dégagé, température de 17, un temps ressenti de 17. Dimanche matin, ce sera ensoleillé, une température de 19, un temps ressenti de 20. Dimanche après-midi, ce sera un temps ressenti de 30. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 30, un temps ressenti de 36. Dimanche soir, ce sera dégagé, une température de 26, un temps ressenti de 32. Et voilà, c'était tout pour votre météo.